Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce petit stream de l'après-midi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, dû aux horaires très compliqués de l'E3. Hein. Comme vous avez pu le constater, il y avait des conférences à 6h du matin, des conférences à 3h du matin, des conférences le soir, l'après-midi, le matin, tout ça. Donc du coup, j'ai pas trouvé beaucoup de temps pour streamer l'après-midi sur ma propre chaîne, puisque finalement, j'ai été tous les jours en live sur teamldlc.com. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous suivre pour l'E3. Et encore une fois, merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Là, j'ai un petit peu de temps, voilà, devant moi. Donc du coup, j'avais vraiment envie de continuer à jouer à Rim, formidable jeu de Tequila Game ou Tequila War, je ne sais plus. Un studio espagnol, si je ne m'abuse. Et c'est vraiment un excellent jeu sur le coup. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'y jouer. J'espère, je ne sais pas quand je vais le finir. On m'a dit que j'étais vers la fin, mais j'y crois pas trop. À mon avis, il me reste au moins 2-3 heures de jeu, donc c'est pas sûr qu'on puisse voir la fin, parce que là, d'ici une heure et quart, il va falloir aller sur Team LDLC pour la conférence Nintendo qui commencera à 18h. Donc on va prendre le live un petit peu avant, évidemment. Donc ce qu'on fera, c'est que je streamerai ici du RIM jusqu'à pendant une heure et quart. Et ensuite, on switchera sur Team LDLC pour cette fameuse conférence Nintendo. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va aller continuer ce bon jeu, ce très 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 bon jeu qui est RIM, évidemment, on continue. Si vous vous souvenez bien, j'allais aller dans une sorte de nouveau monde, hein, une sorte de, voilà, j'étais en période transitoire, je venais de battre ce fameux oiseau qui essayait de me grailler depuis un moment, et puis après on était dans ce fameux petit couloir, et c'était plutôt cool. Deuxième, troisième mois pour monsieur ou madame Kerwish023, je réussis pour la troisième mois, continue comme ça, merci beaucoup Kerwish pour ta fidélité. Là on commence à parler de fidélité, 3 mois ça commence à être important, merci beaucoup Kerwish pour ton subscribe, pour ton resubscribe, pour ton troisième mois, merci beaucoup, ça fait plaisir bro. Ça me fait plaisir, d'autant plus sur un jeu qui n'est pas GTA, évidemment. Alors, allez, on est reparti. Donc, ah oui, c'est vrai que j'arrivais dans un endroit que je connaissais pas. Je pense que cela, je peux les. Vous voyez que ça fait quelque chose. Vous croyez qu'il y a des choses dans ces dans ces jars? On va les faire, ouais, bon, elles sont toutes cassées. Un petit côté Zelda, casser des jarres évidemment. Et n'oublions pas le petit côté Dark Souls quand on fait les roulades. Alors, je suis arrivé ici. Ah oui, il y a plusieurs entrées. À mon avis, tout va se recroiser. J'espère que je suis pas dans un labyrinthe. J'ai des sacrés cernes, ouais, mais ça c'est comme d'habitude, Gilbert. Ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme d'habitude, hein. Les cernes, c'est un peu ma passion. Bah, j'ai envie d'y jouer, en fait, Azix. J'ai envie d'y jouer, j'ai envie de faire un peu de GTA. Mais là, j'allais pas lancer un live pour 1h30 de GTA. Et ce soir, après la conférence, je vais en profiter pour me reposer, profiter de Madame Je Sais Pas, tout ça. Donc, je ne liverai pas après la conférence Nintendo, parce que la conférence Nintendo est à 19h. Je pense qu'elle va durer 1h30, donc à 22h, 22h30, voilà, on aura fini. Je ne lancerai pas de... Ah. Ok. Ouais, ça sent le labyrinthe, effectivement. Et je ne lancerai pas de live après. Voilà, au pire, ce sera un live demain après-midi. On verra. On a le temps, on verra. On est tranquille. C'est pépouze. Et sachant que tout l'été, je risque d'être en live, hein, tous les jours, évidemment, comme d'habitude, ou quasiment tout l'été, je vais peut-être me prendre une petite semaine de vacances, je dois vous avouer. Ça me fera pas de mal de prendre une petite semaine. Non, je ne ferai pas du Friday demain. Je ne ferai pas du Friday demain, Jojo. Demain, c'est soit GTA, soit rien du tout. Ou peut-être un autre jeu, si jamais je suis inspiré par autre chose. Donc là, à mon avis, on est sur... Oh là là, ok. Ok, on est sur une sorte de labyrinthe. Va falloir que je trouve le bon chemin. L'ambiance est toujours aussi cool, hein. Franchement. Salut Falfla. Ce que j'en pense du jeu, Zerber, c'est une œuvre. Enfin, je dirais, ouais, c'est une œuvre. Une jolie œuvre. C'est joli. C'est sympa. L'ambiance est cool. L'ambiance est chill.
C'est vraiment bien fait. C'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Il est vraiment juste, le jeu, il est cool. Ça fait du bien, c'est très rafraîchissant, ça fait du bien d'avoir un petit jeu comme ça. Ouais, ça sent le casse-tête, effectivement. Salut Luther. Effectivement, ça sent totalement le casse-tête. Oh putain, je crois que j'ai les sons de Team LDLC. Ouais, wow, ok. Donc là, on a... Je pense que là, il va falloir mettre une clé ou un truc dans le genre. Un nouveau Metroid, ça peut être cool de la part de Nintendo. Après, moi, j'attends pas grand-chose de Nintendo, n'étant pas un grand fan de Nintendo, d'une manière générale. Je trouve ça cool, hein, par contre, mais je suis pas trop Nintendo. Donc, j'attends pas grand-chose. De toute façon, j'attends pas grand-chose de n'importe quel éditeur. Hein. Moi, le seul jeu que j'attends, c'est Shenmue. Donc, vous savez, l'un dans l'autre. Nice. Partie sous l'eau. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il est pas trop difficile. Il se joue quand même. Enfin, il y a quand même une petite difficulté. C'est un peu contemplatif aussi. Enfin, franchement, le jeu est vraiment agréable, quoi. Il est vraiment, vraiment agréable. La Miche, merci beaucoup pour tes 105 bits. Bien le bonjour et merci d'occuper mon temps de travail. Ça doit faire plaisir à ton patron, ça. Merci beaucoup, la Miche, pour tes 105 bits. Merci beaucoup. Mouah. Si, si, il n'y a pas de barre d'apnée, ça ressouille. Par contre, tu vois, tu le sens là. Tu vois, l'interface commence à changer. C'est ça aussi que j'aime dans le jeu. C'est l'interface extrêmement épurée, du coup. Il n'y a rien d'autre. C'est que du jeu, que de l'image, et c'est vraiment cool. La musique, c'est une masterpiece, par contre. Hein. Musique, c'est masterpiece plus, c'est... La musique déchire sa race. Hein. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Profite bien, Kaku. Live plein écran là. Sur ce jeu, ça vaut le coup. Hein. Sur ce jeu, ça vaut largement le coup. Limite, je devrais pas mettre ma webcam, quoi. Mais je la mets quand même, parce que bon, voilà. Les mannequins, tout ça. Alors, allez par là. Oui, c'est reposant, c'est exactement ça. C'est vraiment un jeu reposant. Il y a plein de bonnes idées. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est juste. Je pense qu'il va m'empêcher de passer. Ouais, voilà, il m'empêche de passer. Donc à mon avis, il faut que je mette de la lumière sur eux d'une manière ou d'une autre. Regardez. Il y a un truc ici. À mon avis, je vais libérer mon peuple. À mon avis, je suis le prince ou quelque chose comme ça, et je vais libérer mon peuple d'une malédiction. Bon, ça va, je suis pas non plus. Je veux te tire pas la gueule sur la photo, enfin. Oh mon petit Termi, merci beaucoup pour ton subscribe. Bienvenue. Je suppose que tu es bien rentré, Termi. Ah, t'es rentré vite. T'es rentré super vite, Termi.
Mathias, merci pour tes 100 bits. Sors la calache. Bah voilà, bravo. Bah GG. Attendez, je vais prendre la bulle là. Ouais, allez. Bah nickel, 50 minutes. Pépouze. Bah c'est limite de l'ASMR hein, du coup. C'est limite de l'ASMR hein. Terminal, c'est celui qui commentait le 3 avec moi. Alors là, je sens que je vais faire de la merde. Passy, merci beaucoup pour ton subscribe. Merci beaucoup, Passy, tu vas bien? Merci beaucoup, bienvenue. Monsieur Passy, quoi. Le grand, le seul, l'unique. Avec Passy, j'ai envie de jouer à, PUBG avec toi. Faut qu'on se fasse des games là. Faut qu'on se trouve dans la semaine des après-midi. Ah, succès, j'ai fait un succès. Attendez, je vais quand même essayer de faire un truc. Attendez, hein, j'arrive. Attendez, j'arrive. Hop là. Doudou 77130, merci beaucoup pour ton subscribe aussi. Merci pour ton deuxième mois. Deuxième mois, ton re-subscribe, ça déconne plus. Merci beaucoup. Oh, le petit renard, il est là. Non Florian, comme je le dis à chaque fois et partout sur tous les réseaux sociaux, hein, c'est la conférence Nintendo aujourd'hui. Deuxième, troisième reçu pour Moneybot Rush B. Merci mon Manu, merci beaucoup Manu. Manu, le meilleur commentateur de CSGO de France, de Navarre et du monde. Et par là, c'est nickel. Oui, j'arrive, petit renard. Ah, une bouboule bleue. Mais pas fatigué, câlin-toi. La bouboule bleue. Ça a changé quelque chose. Trop mignon, putain. C'est juste oufissime comment c'est mis. Bah oui, Mathias, complètement gaga devant ce jeu. Je le ferai pas ici. Alors attendez, faut que je regarde le truc. Ah, non. Ah voilà. Faire. Allez, le faire ici. Ce que ça donne de mettre la boule ici. Yo perso. Ah, faut peut-être juste que je le pose, ça doit être X juste pour le poser, je pense. Ah voilà, c'est ça.
la boule magique. MV serait fier de voir des boules magiques comme ça. Salut Iron Spectre. Ah, bonne pause. Bon courage. Liki, non, pas total. Jamais. Jamais total. Merci Peppers pour ton 3ème mois de subscribe. Merci monsieur Peppers. Je te fais des bisous. Mouah. 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 Oh. Je t'avais pas vu toi. 18h la conférence Nintendo. Peut-être que je le fasse sur... Là-bas, il y en a aussi. D'accord. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. S'émerveille devant tout quoi, je trouve ça génial. Moi je me serais chié dessus à voir un géant comme ça, mais lui il s'émerveille, normal. Salut Jess, content de te voir en sortant de mon épreuve pratique du CAPA, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Oui, demain je lance un giveaway, ouais. Ça va être ça, vous faire plaisir. Non, c'est pas pour ça que je joue pas Friday. Merci beaucoup Reiko 92390 pour ton 2ème mois de subscribe. Merci beaucoup bro, je claque les 2 mois même sans nom, sans son. Merci. Il m'entend pas le pauvre putain. Merci beaucoup. Salut Ludet, tu vas bien ? Non, je la joue pas Friday avec les autres demain. Ah, je veux vivre ici quoi. Je veux vivre dans cette caverne. Quoique. Je crois qu'à mon avis, eux, il faut pas qu'ils m'attrapent. Merci beaucoup Kerwish pour tes 100 bits. Ce qui va être cool, c'est quand tu reprendras GTA, c'est que tu verras les nouveaux joueurs. Oui, c'est vrai, la whitelist sort demain. Je crois que c'est demain la whitelist. Oh non. Oh non, 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 arrête de m'aspirer, putain. Donne la bouboule.
La bobole. Non. Je vais revoir ça pour plus tard, on va avancer un peu. Non, 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 non. Non, putain, laisse-moi tranquille. Non, ça va pas le faire, ça. Faire venir vers moi. On va avancer. Putain de merde. Oh, il y a un truc à faire ici, ok. Ça fait que non, ça a pas dû le réveiller. On va pouvoir avancer quand même. Ah, j'ai bien envie de le finir effectivement, Mini le Perse. J'ai bien envie de finir Rhyme. Rhyme, Rim, Ram. À quoi ça Ram? Bonjour à tous ceux qui arrivent. Il revient instantanément. Ah, oh, attendez. Non, c'est juste une bestiole, je pensais que c'était un truc à voir. Là, je dois vous avouer. Ah, voilà, ok. C'est par là. Là, on est bien. Les fientes, hein, toujours suivre les fientes. C'est par là. Oui, c'est un peu. C'est vrai que ça ressemble un peu au détraqueur. T'as bien raison là-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai que t'as bien raison là-dessus. On dirait vraiment les détraqueurs. Papyrus, je sais pas qui c'est. Je suis désolé. C'est par là. Ouais, la conférence Nintendo sera sortie même DLC. Ouais.
Je les casse au cas où, mais à mon avis, ça sert à rien. Oh, le retour du renard. De quoi monter. Hop là. C'est quand le bac? C'est maintenant là? C'est en ce moment le bac? C'est joli, hein. C'est vraiment, vraiment joli. C'est jeudi le bac. Shit. Regardez ce qu'il y a là-bas. Ok, donc il va me falloir des bouboules. Oh, c'est un ascenseur, bah c'est parfait. Donc c'est formidable. Yo Kriost, tu vas bien? Hey, deuxième prime pour Green Vixenia. Et c'est reparti pour un mois. Hors de question que je perde le plus beau badge du Twitch game. Tu as bien raison, merci beaucoup. Bonjour ma tête. Ça va, impeccable. Un peu trop là sur le. Un peu trop. Bon bah faut pas sauter là. Ça va Nirkist et toi? L'équipe, je t'invite à aller voir sur Twitter ce qui se passe quand même. Ouais, c'est clair, Karwish. Le jeu est vraiment prenant. Merci beaucoup pour tes 100 bits. La petite clé. Allez. Ça s'appelle Rhyme, le jeu. Ça non, ouais, je l'ai déjà fait.
Nouveau sub, Requiem57, merci beaucoup pour ton subscribe, bienvenue chez ceux qui ne savent pas. Merci beaucoup Requiem. Merci beaucoup. Merde. Bah oui, il faut que je prenne l'ascenseur, je suis... Ascenseur instantané, hein. Il faut le préciser, hein. La clé, à mon avis, ça va ouvrir l'arbre. Du coup, ça va me libérer la bouboule. Oh non! Ça lui enlève ses feuilles. Ok, donc maintenant que j'ai ça. Maintenant que j'ai ça. Là-bas. Salut Dark Reaper, tu vas bien bro? Il y a un truc à faire ici. Ok. Je me demande si je peux la récupérer la boule. A mon avis, je la récupère, ça ferme la porte. Ah, attendez. J'ai une idée. Impeccable. Ah oui, il est costaud, oui, le petit bonhomme. T'as arrêté le début de la fin. Eclipse. C'est ouf. Alors si je pose ça ici. Ascenseur. Ah. Tout va bien, c'est la porte. Donc là, ça va mettre la boule, je pense, de l'autre côté sur. Voilà. Sur le truc.
On descend. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais, faut le mettre là-dessus peut-être. Ah, il est trop bien ce jeu Reborn. Il est vraiment trop bien. Oh. Ok, la méga boule. Ok. Je suis en train de créer mon géant là. Oh mignon. C'est Rime le jeu, c'est appelé Rime le jeu. Si vous voulez savoir le jeu, de toute façon c'est simple, hein. C'est juste écrit en dessous du titre du stream. Ah oui d'accord, transporter sur les rails. Hop là. Ah, je pense que je suis vraiment en train de le faire. Hein. Je suis vraiment en train de créer un géant là. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. On les repart là. C'est quoi ta question, Reborn Lunatic? Ouais, c'est bien 18h la conférence Nintendo. C'est bien 18h. Enfin non, oui, faut en mettre pas mal de lumière. Enfin, y a une histoire de lumière aussi, oui. Après, de là, en mettre partout, je ne sais pas. Pas vraiment ça le but du jeu. Du mal à marcher pour qu'il apprenne.
C'est trop mignon. Faut qu'ils arrêtent ce jeu. C'est beaucoup trop mignon, putain. À l'ouvrir ça. Ah, faut peut-être l'ouvrir d'en haut. Ah, oh, ça fait du dégât ça. Ok, donc en gros, à mon avis, il faut que ça, j'arrive à le faire monter d'une manière ou d'une autre. Ah, attendez. Ok. Ouais, mais je peux pas descendre là du coup. Je vais voir ce que ça donne. À mon avis, là je peux pas descendre. Ah, si, c'est bon. Il faut que je trouve comment lui ouvrir, je suppose. Mais cette musique, quoi. Seriously, c'est tellement un bas. Cette musique, elle est ouf. Salut Florian Sabro. Cette musique est tellement un bas. Dalit, merci beaucoup pour ton 3e mois de subscribe. Eh bien, bonjour, Mister Bogos. Comment se passera? Ça se passe très bien. Ce jeu est excellent. Ce jeu est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir. Lui, hein. C'est ce qu'on m'a dit un peu que ça ressemblait à Last Guardian. Moi, j'y n'ai jamais joué, mais. Il y avait quel grimpeur?
sinon. Ah, c'est vraiment cool. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. C'est pas grave. Du coup, comment je fais? Je refasse le tour, impeccable. Merci beaucoup Florian, ça fait plaisir. Je crois que les développeurs n'ont pas caché qu'ils sont inspirés de Journey pour le jeu. Salle. Yo 02 Squad, yes, il est magnifique ce jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait ceux qui étaient en ombre mais en lumière. Ok. On va voir ce qu'il y a tout en haut. Ouais Mike, c'est vrai, j'ai vu la bande-annonce. Est-ce que j'ai ouvert un truc? Je sais pas si j'ai débloqué quelque chose ou que dalle. Rien à faire d'autre ici, hein. Il n'y a absolument rien à faire d'autre ici, il me semble. Ok, je vois rien d'autre à faire. La prochaine conférence. 18h. Dire comment j'allais faire pour descendre parce que ça avait l'air un peu tortueux. Et donc ça c'était l'entrée. Non, c'était ça l'entrée. Je ne sais pas trop par où je dois aller. Holy Monster, merci beaucoup pour ton deuxième mois de subscribe. Merci beaucoup. Mouah. Merci beaucoup, bro. Ça m'en est. On peut l'ouvrir ici. Je suis en train de me dire, est-ce que je récupérerai pas la bouboule en haut?
Ici je peux pas y retourner, putain je suis perdu quoi. Faut que je refasse un peu les autres salles ou pas? Je sais pas si je dois pas refaire les autres salles. Parce que si ça se trouve, je dois refaire les autres salles. Il y a un truc que j'ai dû oublier. On va voir. Ah, il y avait un truc ici. Il y avait. Oh merde, je commence à être perdu quoi. Ça c'était ok, ce que j'avais fait tout à l'heure. Merde. Ici, c'était que dalle. Est-ce que je récupérerai pas la boule? Je vais récupérer la boule. Pas trop à quoi me servir, mais... descendre le truc je pense. Ok, bon on a juste à le suivre, écoutez. Merde, c'était X, faut juste que je le pose. Moi j'appuie sur Y. C'est du Cazol. C'est mignon. Il fait. Rien à faire ici. Hop.
par là, non? Voilà, c'est bien ça. Ok. Ah, cool. Il est tout content, le renard. Ah oui, c'est un canidé à l'Inexa, c'est normal. Fait partie de la famille des chiens. C'est vraiment... En fait c'est une histoire, en fait c'est presque contemplatif. C'est pas... En plus ce qui est bien c'est que les énigmes sont pas si difficiles que ça. Faut que je fasse un truc, j'avais repéré un truc là-bas. Pas une bouboule dans le coin. Wait up depuis 29 jours. Hein. Voilà la wait list. De toute façon, tout est. De toute façon, c'est pas l'endroit hein, pour demander des infos là-dessus, puisque je suis ni administrateur, ni membre du staff. Donc pour tout ce qui est question sur GTA 5 RP et l'ouverture de la whitelist, c'est pas du tout ici qu'il faut la... pas du tout ici qu'il faut prendre l'info. Hein. Non, 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 non. Ah, putain. Ah.
c'est flippant. Là, on est en train de nettoyer. Je suis un peu crevé, Tuki. Je suis un peu crevé, mais ça va. Ça va. Costaud, hein. Ah. Comment j'y vais ici? Encore une fois, c'est pas l'endroit pour en parler, Cacacabrand. Enfin, je sais pas, enfin, je viens de le dire. En plus, tu dis désolé et t'en reparles. C'est quand même triste. Merde, j'aurais pas dû le... pas dû le poser. Je sais pas trop comment... Rejoindre par là... Ah, ce jeu est un kiff, hein. Tu peux te faire plaisir, Thibaut. Tu peux te faire plaisir, hein. C'est vraiment un... c'est vraiment un jeu qui déchire bien. Oui, je sais, mais j'aurais bien voulu dire, mais je ne sais pas comment veut le dire. Ah bah par là, je suis con, putain, il y a des escaliers là. Ah non. Ah. Attendez. Ok, j'ai bon, j'ai trouvé. Tout va bien. Triste, tu trouves? Je sais pas.
Oh merde. Ok. Ok, faut que je mette une bouboule ici. Bah oui, ton. Bah si tu me spoil aussi, tu vois. Ça le fait pas. Tu vois. C'est pas super, tu vois. Maintenant, je vais m'attendre à un truc triste et ça me gâche un peu le jeu. Parce que pour moi, c'était plein d'espoir. Donc c'est pas gentil. Ah, bonjour le frère de Los Proprio de l'Epping. Comment ça va? Ça. Je vais prendre une boule. Ah mais non, je me suis trompé de bouton, putain. Quel vieux boulet. Yogzarak, enfin re. Ensuite, on va mettre ça là-bas. Salut Nina. Et attention! Plein de géants à bouboule! Incroyable, incroyable. Hero Anon, merci beaucoup pour ton 12e mois, c'est ton anniversaire. Merci beaucoup, putain, j'ai pas mon lunchpad, t'as de la chance. Merci beaucoup Hero Anon. Un an.
un an de subscribe. Oh putain, mon téléphone qui tombe. Merde. Bon, tant pis. Merci beaucoup, Erwanon. Merci beaucoup. Ah, cette musique, elle est ouf. Hein. Cette musique est oufissime. Oh, ouais, elle vient de bugger un peu, mais... Et voilà, et voilà, et à quoi va servir tout ça? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode de Rhyme, puisque nous allons bientôt commencer la conférence Microsoft. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc sur ce, messieurs, dames, je vais hoster tout de suite teamldlc.com, puisque nous serons en live d'ici 5-10 minutes. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce Rhyme, ça fait plaisir, ce jeu est décidément... trop de la balle. Donc je vous dis à tout de suite pour, enfin à tout de suite d'ici 5-10 minutes pour la conférence Nintendo, qui est la dernière conférence de l'E3. Des bisous.